Alors, les objectifs de la formation sont de monter en compétences à un niveau Bac plus 3 des alternants qui ont un Bac plus 2. En effet, les entreprises, à ce jour, sont demandeurs de ce type de profil, premier diplôme européen, et pour les alternants, bien sûr, ils gagnent en autonomie durant cette formation et ils acquièrent une expertise des installations et une meilleure gestion de l'économie de l'énergie. Alors, les débouchés sont nombreux. Vous pouvez être acteur au sein d'un bureau d'études. Vous pouvez encadrer aussi une équipe de techniciens dans une partie tertiaire d'entreprise ou sur une zone de production, ainsi que dans une équipe de maintenance. Les secteurs d'activité sont aussi très très larges. Vous pouvez travailler dans le secteur de l'habitat, dans le secteur tertiaire et aussi dans la production, c'est-à-dire des sites industriels. Alors, cette formation s'adresse à tous les Bac plus 2, je dirais, de typologie technique, comme les BTS électrotechniques, les BTS électroniques, les BTS CRSA, les BTS FED, mais aussi à toutes les filières Bac plus 2 de type plus généraliste, comme les DUT ou les DEUG. Alors, la formation se déroule en alternance, soit par contrat d'apprentissage, soit par contrat de professionnalisation, sur le rythme de 28 semaines en entreprise et 14 semaines sur le plateau technique de formation. Et pour chaque alternant, il y aura un tuteur pédagogique désigné sur le plateau de formation, ainsi que dans l'entreprise, un tuteur d'entreprise, et des points au cours de la formation seront régulièrement menés pour évaluer la montée en compétences des candidats. Alors, j'ai choisi cette formation CNAM car cette formation me permet de faire évoluer mes compétences techniques au sein du lycée Benjamin Froclin dans le secteur de l'électrotechnique après avoir fait un BTS électrotechnique. J'ai choisi cette formation CNAM car c'était la poursuite de mes études du BTS électrotechnique et que mes professeurs m'ont encouragé à poursuivre cette licence car les matières sont très intéressantes comme la matière sur l'éolien et le photovoltaïque. Alors moi j'ai choisi cette formation parce que c'était la continuité de mon BTS et notamment on avait l'option éclairage et bâtiments du futur. Donc moi étant donné que j'aime beaucoup l'événementiel et que je voulais travailler un peu là-dedans, ça me permettait également d'avoir des débouchés notamment d'un point de vue audiovisuel et également par la suite pour pouvoir m'ouvrir d'autres portes. Car a été dans la continuité du BTS électrotechnique et qui a permis d'obtenir un Bac plus 3, donc reconnu international si jamais pour voyager ou travailler à l'international. Alors, au départ, moi j'ai fait un BTS du coup électrotechnique au lycée Benjamin Franklin. Donc c'est un BTS qui se réalise sur 2 ans. Donc c'était de 2018 à 2020. Et suite à ce BTS, j'ai décidé de m'inscrire en licence professionnelle maîtrise de l'énergie, électricité et développement durable. Alors j'ai réalisé un bac STI2D, donc sciences technologiques de l'industrie du développement durable, spécialité énergie environnement. Ensuite, cela m'a amené vers un BTS électrotechnique en alternance chez Engie. Donc j'ai fait un bac STI2D option SIN, puis j'ai continué avec un BTS en formation continue d'électrotechnique pour aujourd'hui me retrouver en licence en alternance. J'ai effectué un bac STI2D option SIN. Ensuite, j'ai fait un BTS électrotechnique à Benjamin Franklin pour ensuite venir en licence. Suite à ma licence professionnelle et donc à l'obtention du diplôme, je compte être embauché dans une entreprise donc, de contrôle d'installation électrique, donc Socotec, afin de pouvoir justement utiliser toutes mes compétences techniques au sein d'une entreprise et évoluer dans ma carrière professionnelle. Alors j'aimerais poursuivre mon expérience dans les énergies renouvelables ou le traitement des déchets ou les énergies comme le panneau photovoltaïque ou éolien. Au niveau de mes objectifs professionnels, toujours dans le but d'élargir mes connaissances, je pense continuer avec une école d'ingénieur. Après je voulais également me spécialiser dans l'audiovisuel, le son et lumière.
Donc peut-être travailler à court terme là-dedans pour ensuite retravailler dans le domaine de l'énergie. Je compte rentrer dans la vie active après l'obtention de la licence et pourquoi pas travailler à l'international. J'ai choisi l'apprentissage car ça permet d'utiliser toutes les notions vues en cours et applicables du coup en entreprise. Et du coup, pour moi, c'est un peu un tremplin pour avoir une embauche suite à la formation, car on est déjà formé en entreprise. Pour mener à bien mon expérience professionnelle, rentrer dans la vie active, et je trouve que pour allier les cours théoriques et pratiques, c'était le meilleur moyen. Ouais, moi, j'ai choisi l'apprentissage parce que ça permettait vraiment de découvrir le monde du travail et également de mettre nos connaissances théoriques en pratique dans le milieu de l'entreprise. Et également, j'ai choisi l'apprentissage parce que quand on est étudiant, le fait d'avoir un salaire à côté, c'est vraiment un réel plus. L'apprentissage permet de compléter les connaissances théoriques avec les connaissances pratiques et ça permet de voir le côté de la vie professionnelle, le vrai côté de la vie professionnelle. Côté alternant, il s'agit d'un dispositif d'aide, de mise en place afin de soutenir et d'assister un ou une future alternante lors de ses démarches pour intégrer une formation CNAM et tout au long de son parcours. Il est question de définir ensemble un projet en corrélation avec le parcours et le souhait de formation du candidat. Nous sommes également en appui lors de la recherche d'une structure d'accueil dans le cadre de l'alternance et nous l'accompagnons vers son employabilité post-formation. Côté entreprise, notre rôle est de les renseigner, de leur proposer des formations adaptées aux besoins en recrutement, de leur proposer des alternants en recherche d'entreprise et de les accompagner lors de la contractualisation et tout au long du parcours. En tant qu'alternant, nous vous proposons en amont et pendant la formation un accompagnement individuel ou bien collectif sous forme par exemple d'atelier. L'objectif étant de construire, valider et consolider votre projet professionnel, vous aider dans votre recherche d'emploi post-apprentissage, par exemple aide à la rédaction CV, lettre de motivation, préparation aux entretiens. Vous informer également sur les aides à votre disposition, qu'elles concernent le financier, le logement ou bien la mobilité internationale, etc. Pour les entreprises, nous pouvons vous mettre en relation avec vos futurs alternants et collaborateurs. Nous vous aidons dans la définition des missions de l'alternant en prenant appui sur nos référentes filières. Nous vous accompagnons également sur les démarches administratives et bien sûr, nous sommes présents tout au long du parcours afin de répondre à vos besoins.